On va revenir sur ce fameux but inscrit par Olivier Giroud à la 51e minute et sur cette action où au final Giroud va gagner son duel physique avec Skriniar. J'ai regardé, il y a 5 cm de différence au profit de Giroud quand même, hein, qui est plus grand. Mais ça arrête de jouer un petit peu tous. Et c'est vrai que Giroud est en action alors que Skriniar, lui, est à l'arrêt, donc il est fatalement battu. Et puis, il y a effectivement Charlotte Gabas en parlait. Marquinhos, soit n'a pas compris, soit n'a pas voulu comprendre. Quand elle lui a dit « Vous avez arrêté de jouer », il a parlé de la seconde période. En fait, elle voulait dire que sur cette action, ils sont plusieurs à s'arrêter. Alors, on le voit très bien. Il y a Hakimi qui est au sol parce qu'il pense être touché. Mais regardez l'attitude de Donnarumma, de Marquinhos et de Skriniar qui ne sont pas du tout concentrés sur la suite de l'action. Et finalement, ils sont tous en retard au duel. On voit qu'ils sont plus en réaction qu'en action. Ça les fait sortir vraiment ou pas de s'arrêter quelque chose? Moi, je pense que oui, parce que en fait, quand on dit après que Giroud il gagne de 5 cm, des fois, c'est ce petit truc qui fait que t'es en décalage d'une fraction de seconde. Et donc, du coup, ça se joue, ça fait 5 cm. C'est comme un sprint où t'arrives à un dixième de retard. C'est exactement la même chose. Je noterai quand même la qualité du centre aussi de Théo Hernandez. Et ce qui précède à la tête de Giroud, c'est quand même hallucinant. On s'arrête de jouer quand l'arbitre a sifflé une faute. Surtout avec la VAR aujourd'hui. L'arbitre ne siffle pas. On s'attend, même, on ne peut pas s'arrêter à partir du moment où on s'attend à ce que l'arbitre siffle. S'il n'a pas sifflé, on joue. Ce que vous dites est vrai. On l'entend souvent, et en même temps, on voit aussi souvent, depuis des années, des joueurs s'arrêter aussi pour jouer un peu à l'intox, pour espérer que ça influence l'arbitre. Oui, mais aujourd'hui, avec la VAR... C'est plutôt double. La VAR, si l'action continue et qu'il y a but et qu'il y a vraiment faute, l'arbitre reviendra dessus. Ce sont des vieux réflexes. Vous savez ce qui a aussi induit en erreur, je pense, les Parisiens, c'est Léao. En fait, finalement, ils ont presque aussi été influencés par Achraf Hakimi au sol, mais aussi Léao. Ils se sont dit, comme Léao au sol, ils vont s'arrêter aussi, les Milanais. Je voudrais vous montrer une autre action qui date du fameux match à Newcastle le 4 octobre dernier et un but encaissé où on avait un peu reproché la même chose aux Parisiens. Regardez Hakimi ou Garté. Voilà, ils se sont arrêtés dans un premier temps, l'action continue, puis à l'arrivée il y a cette tête effectivement. Inconsciemment, c'est des réflexes. En Ligue 1, on leur siffle beaucoup de choses. Vous voulez dire que c'est un réflexe de grand club, entre guillemets ? C'est un réflexe de grand club en Ligue 1. Il y a beaucoup de choses. À chaque fois, c'est souvent... Dans les grandes compétitions, souvent, on ne comprend pas pourquoi Madrid, Barcelone, sur des moments clés, l'arbitre, il siffle pas beaucoup de temps en temps. Et là, je pense que Paris, en Ligue 1, on siffle pas mal de choses litigieuses. C'est pas censé ne pas arriver sur des choses avec l'expérience, justement Non, mais c'est surtout que, oui, Hervé, vous avez raison. L'expérience doit aider les joueurs à se dire, voilà, par expérience, je sais qu'à partir du moment où l'action ne s'est pas arrêtée, je continue à être concentré et rester dans le jeu. Je vais pas dire que c'est une faute professionnelle, non, mais de prendre un but comme ça, à ce moment-là du match, et que tu perds 2-1 à la fin, sur une action comme ça, tu as quand même en droit de te poser des questions. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Ouais. Et quand ça se répète, c'est que ce n'est pas anodin non plus. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent, dans les défaites du PSG, des petites erreurs individuelles qui arrivent. Bon, là, il n'y a pas une erreur flagrante, mais il y a une petite série de déconcentrations, effectivement, dommageables. Ces erreurs-là, c'est des équipes qui sont moins expérimentées, qui font ce genre d'erreurs-là. Normalement, le Paris Saint-Germain, alors, oui, on va dire, ils n'ont jamais gagné avec des champions... On l'entend tout le temps, mais malgré tout, ces 10 dernières années, ils sont tout le temps là en Ligue des Champions. Donc normalement, tu ne dois pas faire ce genre d'erreur. Et non, ce n'est pas une faute professionnelle, mais les conséquences, elles sont quand même assez folles. Non, ce n'est pas une faute professionnelle. Quand je dis ça, faute professionnelle, ce n'est pas dans ce sens-là. Non, bien sûr. C'est qu'en tant que professionnel de football, quand tu es sur un terrain à ce niveau-là de la compétition, tu ne t'arrêtes pas de jouer tant que l'arbitre n'a pas arrêté le cours du jeu. C'est tout. Avant d'aller à Dortmund, pour résumer, Dortmund-Newcastle, Vitinha est avec Charlotte Gabas. On reviendra sur les deux autres buts également ensuite et on file à Dortmund. Charlotte, c'est à vous. On imagine votre déception ce soir. Est-ce que vous avez déjà des clés pour comprendre cette défaite ce soir? Qu'est-ce qui vous a vraiment posé le plus problème? On savait que c'était un match difficile déjà. Et ça, c'est la vérité. On a passé pour un match difficile avec les supporters et tout, mais ça c'est pas d'excuse, on doit faire mieux. On n'a pas réussi de faire notre jeu jusqu'à 15 minutes de la première mi-temps, même après on a entré beaucoup dans le jeu de Milan
et pas notre jeu, avec la patience, avec le ballon aussi. Et je pense que ça nous a pas permis d'avoir le contrôle du match. On a l'impression que le deuxième but a pesé très lourd dans ce match. Comment vous expliquez la deuxième période où vous avez l'air de beaucoup souffrir? On allait pour le deuxième mi-temps avec le match nul. Et nous voulons contrôler le match dans le deuxième mi-temps. Et le but vient changer tout. La vérité, c'est que notre idée de jeu, notre manière de jouer doit rester la même. Mais après, c'est difficile de trouver les espaces, d'avoir de patience pour chercher le deuxième but. Mais voilà, c'est difficile de parler après le match. On n'a pas vu le match. C'est tout au chaud. Mais c'est triste. Ouais. Merci beaucoup. Vitinha avec Charlotte Gabas, c'est une réaction encore parisienne après cette défaite qui est la troisième de la saison. Il y en a une en championnat et deux en Ligue des Champions. Le PSG qui s'incline 2-1 sur la pelouse du Milan AC. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match, de ce choc Milan-PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, le Milan AC s'impose 2-1 contre le PSG, les amis. Le Milan qui remporte son premier match de Ligue des Champions cette saison. Et bizarrement, c'est contre le PSG. Luis Enrique a mis une composition d'équipe, à mon avis, cohérente. Après, on peut toujours en débattre. Est-ce que c'était nécessaire de mettre 4 milieux? Il aurait peut-être dû renforcer son milieu, mettre un 4e milieu et faire sortir un avant-centre, peut-être comme Kolomouani. Après, moi, je trouve sa composition cohérente avec ses 3 milieux de terrain. Zaire, Emery, Ogata et Vitinha. Le match a plutôt bien commencé pour le PSG. Ils ouvrent la marque sur un but. Certains diront que c'est contre le coup du jeu, mais moi je pense que le PSG a légèrement dominé l'entame et ils seront compensés par ce but. Ce but de Skriniar. Le PSG qui ouvre dans la marque 1-0. Bizarrement, le Milan se revient quelques minutes plus tard. Par Raphaël Leao, un joueur qui n'avait plus marqué depuis un mois. Il était complètement à la ramasse depuis un mois. Et il se relance contre le PSG. Donc, ça fait un but partout. Et Olivier Giroud donne les 3 points au Milan AC en seconde période sur un centre de Théo Hernandez. Franchement, on a vu les démons du PSG en Ligue des Champions, notamment les matchs à l'extérieur. Le PSG, en 11 matchs à l'extérieur, le PSG a seulement gagné 2 matchs sur 11. 2 matchs sur 11, les amis, c'est hyper faible. 2 matchs sur 11 à l'extérieur. 2 matchs gagnés. Franchement, cette poule, le PSG relance carrément cette poule. Parce que lorsque tu vois Dortmund a gagné, ils ont gagné Newcastle. Ça fait que dans cette poule, tu as Dortmund qui est premier avec 7 points. Ensuite, le PSG suit avec 6 points. Tu as le Milan qui était presque hors course, qui revient avec 5 points. Et derrière, tu as Newcastle qui revient avec 4 points. Donc, c'est une poule très, très compliquée. Et lorsqu'on sait que le prochain match du PSG c'est contre Newcastle, et je peux vous garantir que si le PSG perd ce match, ça sera très compliqué pour le PSG, les amis. Très compliqué de se qualifier. Donc, le PSG a intérêt à gagner son match face à Newcastle. Parce que ils avaient l'opportunité de
de prendre les 3 points et de quasiment se qualifier pour les 8e de finale, mais ils l'ont gâché. Pourtant, le Milan n'a pas mis une intensité folle. Hein. Le Milan n'a pas mis une intensité folle, mais ils ont embêté le PSG. Ils ont embêté le PSG avec une intensité de moins de qualité. Je suis désolé, les gars, parce que lorsque je compare l'intensité que Newcastle a mis et celle du Milan, c'est le jour et la nuit. Newcastle a éteint le PSG en termes d'intensité. Ils ont éteint le PSG en termes d'intensité. Le Milan n'a pas mis une intensité folle, mais ils ont battu le PSG. Ça prouve que le PSG à l'extérieur, ils sont très friables, très très friables. Oui, certains me diront que le PSG s'est procuré les occasions, mais le Milan également s'est procuré énormément d'occasions, énormément. Le Milan, c'est 16 tirs, hein, 16 tirs, parmi lesquels 8 cadrés. Le meilleur jeu du PSG dans ce match, c'est Donnarumma. C'est Donnarumma le gardien. Ça montre à quel point le PSG était en difficulté totale. Il était en sacrée difficulté. Lorsque ton meilleur joueur c'est le gardien, ça en dit tout. Ça en dit vraiment tout. Et ce PSG-là, les amis, c'est très loin pour eux de se qualifier. Très, très. Parce que lorsqu'on sait que Newcastle n'a pas dit son dernier mot, donne-moi que tout le monde avait enterré après le premier match perdu face au PSG. Les voilà primés de la poule avec 7 points. Comme le football part très vite. Le football part très très vite. Tout le monde avait enterré donne-moi que non, donne-moi. Ils sont très faibles, etc. Mais les voilà primés de la poule. Primés de la poule. C'est vraiment incroyable. Le football part très très vite. Très très vite, les amis. Donc, moi je trouve le PSG a fait une performance, franchement, très mitigé, pour ne pas dire médiocre. Kylian Mbappé n'a pas existé. Kylian a été transparent. Bizarrement, lorsque le PSG est moins bien, Kylian également plonge. Il plonge. Pourtant, c'est un leader. C'est lui qui devrait sortir le PSG de ses difficultés. Mais il ne le fait pas. C'est dommage. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur le match. Est-ce que tu penses que c'est une victoire méritée de la part du Milan? Est-ce que tu penses que le Milan mérite sa victoire? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.